Comment le marketing social peut-il vous aider à créer une relation privilégiée avec votre clientèle? Bonjour, mon nom est Mathieu Chevalier. Bienvenue au 16e épisode de Marketing et réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Christelle Seré, présidente de Paradox Web. Christelle, elle est coach marketing, c'est-à-dire qu'elle accompagne les entreprises à mieux s'y retrouver, à mieux établir leur stratégie et à mieux gérer leur marketing en ligne. J'avais envie de jaser de marketing social avec Christelle parce que la relation, elle est au cœur de nos interactions en ligne. Votre clientèle, avant de vous acheter, avant d'acheter vos produits et services, elle veut d'abord entrer en relation avec vous. Et on peut plus mentir, on peut plus tricher sur les réseaux sociaux. C'est transparent. La relation, elle doit être véritable. Comment on attaque ça de front? Comment on gère ça? C'est ce dont Christelle va nous parler aujourd'hui. Bonne écoute. Tu as écrit quelque chose, une citation que j'aime beaucoup. Tu me diras si elle est de toi, parce que moi, je l'aime vraiment, vraiment souvent, beaucoup. Souvent, ils sont soit de moi, soit modifiés, soit okay. Adaptés, ça dépend. Tu as écrit « Le marketing traditionnel parle aux gens, ouais. Le marketing social parle avec les gens. » Ouais. Puis c'est vraiment pour moi une distinction excessivement importante. Puis je dirais que on n'a pas vraiment le choix si on veut avoir une belle présence en ligne puis un beau succès. On n'a pas le choix d'adopter des approches de marketing social, des approches de marketing de contenu, oui, davantage que du marketing traditionnel. Et donc justement tu l'incarnes ça parce que, oui, tu participes beaucoup sur LinkedIn, tu commentes beaucoup les publications des autres, oui, puis tu t'assures aussi de répondre aux gens qui t'écrivent. Moi, je fais souvent un parallèle au réseautage. Parce que tous les entrepreneurs vont faire du réseautage pour aller chercher de la clientèle. Ou pas tous, là, mais une bonne partie. Moi, je dis tout le temps, si tu arrives dans une salle de réseautage, que tu restes figé, oui, tu es là, tu es présent, mais si tu ne vas pas parler vers les gens, puis si quand tu parles à quelqu'un, tu n'as pas une conversation, il n'y a rien qui va se passer. Ouais, ça serait bizarre que tu poses une question à quelqu'un, puis là, elle te répond, puis là, tu t'en vas voir l'autre personne d'après, exact, tu poses la question, elle te répond, tu sens. C'est ça, ça serait exact. Bizarre. Mais il y en a qui font ça, tu sais. Il y en a des fois qui ont peut-être 10 000 personnes qui les suivent sur leur LinkedIn, mais que même dans leur message privé, tu leur parles et ne te répondent pas. Mm-hmm. Fait qu'il faut pouvoir entretenir ce réseau-là, sinon, c'est la même chose que quand tu vas dans une grande salle. T'es là, t'es physique, oui, il y a plein de... Tout le monde te voit, t'as, mettons, le spotlight sur toi. Tout le monde te voit, mais personne vient te parler, t'as pas d'échange. Les gens, ils vont pas tant se rappeler de toi. Mm-hmm. Si tu te donnes la peine d'aller les voir, de discuter, de serrer des mains, puis d'avoir un échange, une conversation, ben ils vont t'apprécier en tant que personne. Fait que c'est la même chose dans les réseaux sociaux, c'est social. Fait que faut pas oublier d'être social un petit peu. Comment tu définirais le marketing social? C'est quoi pour toi le marketing social? Le marketing social, c'est un peu la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. On n'a plus le choix d'être là-dessus. Puis, je le répète souvent, mais tu ne travailles plus avec des compagnies, tu travailles avec des gens. Fait que le social là-dedans, c'est que tu veux faire affaire avec, même dans les grosses compagnies, c'est plus juste Dynamite. Tu veux faire affaire avec la fille qui vend ton linge chez Dynamite. Mm-hmm. Il y a un côté relationnel qui est beaucoup plus important qu'il a jamais été, en fait. Fait que quand je disais tout à l'heure sur la citation, le marketing auparavant parlait aux gens. On montrait, on se rendait visible. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu parles avec les gens, tu crées une communauté. Pour que les gens adhèrent à ta marque, il faut qu'ils adhèrent à tes valeurs, il faut qu'ils adhèrent à ce que tu fais, puis il faut qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent devenir ton ami. Bien, dépendamment du type d'entreprise, bien évidemment. Là. Je dis souvent que la meilleure façon de vendre ta personnalité, ton énergie, ton enthousiasme, autant que tes valeurs et tes compétences, en dehors de rencontrer en personne, mm-hmm, ou de parler au téléphone, c'est la vidéo, parce que la vidéo permet de transmettre tout ça, permet de transmettre ton énergie, permet de transmettre... Mais oui, parce que là, tu sais déjà à qui tu as affaire, parce que veux, veux pas, une vidéo, ça ment pas. Tu as de l'air de ce que tu as de l'air sur une vidéo, c'est pas un filtre Instagram. Tu es directement devant ton langage, ta manière de parler. Puis... Donc, tu crées cette relation-là, oui, en amont, avant même d'avoir eu la chance de rencontrer la personne. Tu parles, bon, que marketing social, c'est de parler avec les gens, mais encore faut-il bien parler avec les gens, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, je pense à toutes sortes d'histoires de gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux, puis l'entrepreneur a engagé la discussion, mais pour se défendre, il l'a pris personnel pour se défendre, puis il est rentré dans son client. Ouais. Donc, la discussion est enclenchée, oui, il parle avec les gens,
mais il se fait de la mauvaise publicité. C'est donc, ça il faut quand qu'il même faut développer faire une attention. certaine intelligence émotionnelle, puis avoir un angle empathique et positif. Oui, puis il faut faire attention aussi avec les réseaux sociaux, c'est tout écrit, fait que ça reste. Fait que c'est difficile de faire enlever des mauvais commentaires, puis si tu supprimes un mauvais commentaire, allô les répercussions que ça peut donner, là. Fait qu'il faut effectivement faire attention à ce qu'on écrit, à la manière qu'on le dit, parce que tout passe par là. Puis souvent, éviter justement, comme tu disais, le volet émotionnel. Si le client n'a pas raison, là, dis-y pas « t'as pas raison ». Fais juste amener la discussion différemment. « Je comprends votre malaise, blablabla. On va s'appeler, on va se parler. » Essayez d'enlever la conversation de sur Internet, puis de la couper de manière positive. Exact, de la conclure de manière positive, parce que c'est pas juste. Puis ça, je pense qu'il faut que les entrepreneurs le comprennent bien. C'est pas juste la personne, même si tu es en désaccord avec avec ce que le client a exprimé, c'est pas juste à elle que tu t'adresses. Ce sont des relations publiques sur la place publique. Oui. Et tu as toute une auditoire. Oui. Donc, si tu rentres dans la personne parce que tu es persuadé que tu as raison puis que la personne a tort, c'est tout un crowd, c'est toute une foule qui est en train de voir ça. Mm-hmm. Et cette foule-là risque bien plus de prendre le parti du client que le parti de l'entrepreneur. Oui. Et moi, je me souviens encore d'histoires comme ça qui auraient pu facilement être évitées, qui sont arrivées il y a 5, 6, 7, 8 ans sur Facebook ou sur... Puis ça me reste... Tu sais, j'ai des commerces où j'irais pas et où je n'ai jamais été, juste parce que, bon, je leur donnerais une chance en réalité, mais je pars avec une perception négative juste à cause de la façon dont l'entrepreneur a réagi à un commentaire il y a 5 ans. Oui. Fait qu'il faut garder en tête, relations publiques sur la place publique, ça fait en sorte que, oui... C'est super facile, même si tu es en désaccord avec la personne, c'est facile de dire « Je suis vraiment désolé que vous ayez eu cette expérience-là. On va s'assurer que ça se reproduise pas. Puis la prochaine fois que vous venez, je vais vous payer un verre, je vais vous payer une entrée, quoi que ce soit. Juste un. » Tu sais, montrer qu'on a une certaine ouverture, puis tout le monde va faire un... Ça va créer un « wow » pour tout le monde qui regarde. Oui, puis l'effet inverse aussi, là, parce que... Je vais vous donner un exemple concret d'un de mes clients à qui c'est arrivé. Sur un groupe, donc avec plein d'experts, il a écrit un commentaire à quelqu'un, puis il a dit dans son commentaire, idéalement, t'assurer que la personne a au moins 5 ans d'expérience. Puis il s'est fait ramasser par quelqu'un. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu hyper poliment, je suis désolée, voici mon point de vue. Puis je l'ai lu son message, puis il a très, très bien répondu. Mmh. Fait que là, il a demandé, puis l'autre gars, il a continué, il a renchéri. Bon, faire une histoire courte, il a demandé au groupe de retirer ce message-là, puis là, ben il m'appelle en panique, la répercussion. Moi, je l'ai lu, ce qu'il a écrit. Mm-hmm. Il a super bien répondu à la personne qui n'était pas contente. Fait que même les gens autour sont pas niaiseux. Même si c'était négatif ce que la personne disait, puis ça avait pas de sens nécessairement. Les gens sont capables de voir la distinction entre une belle réponse puis l'autre qui bâche à côté. Moi, ce que je retiens de ce que tu as parlé aujourd'hui, c'est on devrait agir sur les réseaux sociaux et sur le web de la même façon dont on devrait agir dans la vraie vie, en faisant preuve d'un bon jugement et dans le respect et dans le partage et dans l'amour avec autrui, finalement. C'est si bien résumé. Si on veut te suivre, si on veut pouvoir en savoir plus sur toi, je sais que tu es trouvable, tu es facilement trouvable sur le web, on en a parlé abondamment. Oui, puis j'ai un nom unique, fait que Serai S-E-R-E-I, il y a mon historique familial qui est là, fait que c'est pas mal juste nous. Fait que Facebook, LinkedIn, Instagram et bien évidemment YouTube, puis mon site web christelleserret.com ou paradoxweb.ca. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Pour en savoir plus sur le marketing social et pour toutes sortes d'autres trucs, allez suivre Christelle Serret sur le web. Merci énormément de votre écoute. À l'envoyure.